vous êtes en train de gravir les marches, tous les trois, directement, les marches de l'hôtel Shepherd. Il est 9h, on est le 21 novembre, au matin, il commence à faire très très chaud, quoi. Commencez à être en sueur, puisque en plus, vous avez été accueilli la veille au port d'Alexandrie. Quand vous êtes arrivé, il y avait une horde d'Égyptiens vous proposant des excursions, de vous réaliser des transferts directement à n'importe quels hôtels, ou vous proposer des croisières sur le Nil. Sauf que Charles Beller, donc le directeur de l'hôtel, qui vous a donc envoyé ce télégramme, a tout organisé à partir de leur agence de voyage. C'est-à-dire qu'ils sont occupés de tout, des visas et du transfert en train de nuit pour arriver ce matin à 8h30 à la gare du Caire. Puis ensuite, vous avez été accompagné avec un cab, avec deux chevaux, et vous venez juste d'arriver. Vos bagages ont été pris en charge tout de suite par des bagagistes et vous êtes en train de monter ces marches de cet hôtel magnifique. Donc autour de la table ce soir, nous avons donc Isabella Archer, une archéologue, accompagnée de Samuel Johnson, un métier assez atypique, en tout cas qui est complètement en contraste avec le décor environnant, à savoir Croque-Mort. Et puis un jeune magicien, Peter Reynolds. Vous connaissez déjà, hein, vous avez déjà effectué des... on va dire des missions pour des personnalités très hautes de la bourgeoisie londonienne qui avaient rencontré des phénomènes un peu étranges, paranormales. Et puis, justement, un grand ami de Charles Beller, le directeur, vous a recommandé afin d'enquêter. Et vous avez reçu donc cet étrange télégramme que je vais vous partager. Normalement, vous devez le voir. Oui. Avec les grosses lettres. Donc un ami commun a évoqué votre intérêt réel pour des phénomènes inexplicables. Réputation de l'hôtel Shepherd du Caire ternie par de tels incidents depuis des jours. La sécurité des clients avant tout, et besoin d'aide de votre équipe au plus vite. Travail rémunéré, discrétion nécessaire, n'appelez pas. Détail seulement en personne. Cordialement, le directeur Charles Beller. Et donc vous êtes tous les trois, vous commencez à arriver dans ce magnifique hall mythique. Et je vais vous le mettre, bien sûr je vais vous le partager tout de suite. Quand vous arrivez, vous voyez en effet ces colonnes de marbre assez imposantes. Vous avez l'impression que ça pourrait provenir d'un temple égyptien, mais il n'en est guère. Il doit peut-être, malgré sa qualité, peut-être avoir une petite centaine d'années. Vous voyez également aussi un tapis qui sent quand même le chameau et qui paraît assez usé. Et sur votre droite, vous voyez le réceptionniste, Cleveland Clinton. Il est en train de s'occuper justement d'un couple. Alors, ils sont de dos, c'est une personne qui a l'air de parler en allemand, un ton assez autoritaire, et demande justement à ce réceptionniste d'accélérer, qu'il a besoin de sa chambre immédiatement. Je vais vous le partager. Et puis à ses côtés, il y a une jeune femme très séduisante, avec une petite robe. Elle est rousse et elle se retourne et elle te jette un regard à toi, Peter. Un sourire assez charmeur. Que je lui retourne. Elle continue à regarder d'ailleurs tout autour de cette salle,
Peut-être qu'elle recherche quelqu'un, tu ne saurais dire. La personne, l'homme justement, à ses côtés, d'un certain âge, il a peut-être une cinquantaine d'années, commence à l'attraper par le bras, en l'incitant justement à rester à ses côtés. Cleveland, donnez-moi mes clés tout de suite, absolument. Je n'ai vraiment plus de temps à perdre. Je vous ai déjà donné mon passeport, tous les papiers nécessaires. Je suis un client régulier. J'en ai assez de procéder ainsi avec ces formalités futiles. Et apparemment, cette jeune femme, elle l'appelle papa. Elle commence un petit peu à se débattre, mais lui, il lui tient le bras d'une manière autoritaire et il s'est retourné. D'ailleurs, il t'a acheté un regard assez menaçant à toi, Peter. Il récupère les clés à la réception et demande expressément à ce que les bagagistes amènent ses bagages dans sa chambre. Vous pouvez me faire d'ailleurs tous un jet d'écouter. Cleveland, justement, appelle les trois bagagistes, les frères Meyer, comme ils l'appellent, pour emporter les bagages expressément. Vous avez vu, en effet, c'était assez tendu. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme résultat? Peter, t'as pu entendre le numéro de chambre. Et je vais te le dire tout de suite. Et maintenant, c'est à vous. Ce couple, en tout cas, commence à s'éloigner. Et maintenant, que faites-vous? On va commencer par toi, Isabella. Eh bien, j'attends sagement mon tour. Derrière tous ces gens impatients, un peu énervés. Moi, même si je suis fatiguée par le voyage, je suis détendue. Je suis habituée à voyager, donc... Je suis peut-être un petit peu moins nerveusement fatiguée que d'autres personnes. Et puis, une fois que tous ces gens se sont éloignés du comptoir, je viens enfin m'appuyer doucement dessus et... Isabella Archer, s'il vous plaît, je dois avoir une chambre réservée à mon nom ou... Oui, tout à fait. Le directeur Charles Beller, justement, m'a informé de votre venue. Vous êtes tous les trois ensemble, c'est ça? On vous a réservé chacun une chambre, bien sûr, hein, rassurez-vous. Oui, c'est cela. Si nos chambres pouvaient être proches, toutes les trois, ce serait parfait. Bien évidemment, je vais regarder tout de suite. Normalement, on s'est occupé de tout pour vos visas. Si je peux juste avoir vos passeports chacun, je vais regarder ça tout de suite. Donc normalement, on vous a attribué les chambres. Un petit instant, je retrouve ça. C'est juste à l'étage du dessus en plus. Hein. Oui, voilà, 236, 237, 238. Hein. Donc c'est... Alors ORP, hein, c'est la norme, on va dire, anglaise ou américaine, où le premier étage, finalement, c'est les flaguiers 2. Voilà, oui. C'est décalé rez-de-chaussée, c'est l'étage 1. Très bien. Samuel, tu as pu apercevoir en tout cas en attendant ton tour qu'il y avait certains Anglais de bonne famille, un couple justement assez âgé, en te voyant avec ton accoutrement, ton teint assez pâle, avoir l'air un petit peu inquiet en t'observant. Ils ne s'attendaient pas à voir quelqu'un d'aussi sombre arriver en ce lieu. Bah écoute, je pense que je les saluerai poliment en inclinant un peu la tête. Oui, c'est la femme, une femme quand même qui doit peut-être avoir 70 ans, qui a du mal à marcher, mais qui tient encore debout, et il y a quelqu'un qui est mort. Je ne pense pas, en tout cas je n'en ai pas été informé, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour les vacances.
Ah d'accord, ok. Parce que comme je vous ai vu et que on a entendu des choses assez bizarres qui se sont produites dans l'hôtel, on s'est dit qu'il y a eu quelque chose de grave qui est arrivé. Bon, vous Mais nous rassurez. vous avez raison, peut-être je n'ai pas eu le temps de me changer, mais il est vrai que je vais devoir peut-être mettre une tenue de circonstance, peut-être pas adaptée à ce magnifique hôtel. Très bien, nous nous reverrons peut-être tout à l'heure alors. Eh bien, Bien, nous j'espère. souhaitons de très bonnes vacances. De Allez, même. avance, chérie. Qu'est-ce que tu fais là, regarder à droite à gauche? On va à la terrasse. Boire Ben moi, notre thé. je peux pas m'empêcher de me tourner quand même vers Isabella. Et je veux Ah dire, oui? Lady Archer, est-ce que vous auriez une idée de qui serait cet ami commun? J'imagine qu'il doit plutôt. Ça doit plutôt être l'un des vôtres. Non pas que je connais un certain nombre de personnes, mais c'est vrai que je n'arrive pas à mettre un nom sur cette personne en question. Eh bien, voyons, ce n'est pas Archibald, il est rentré d'Égypte le mois dernier. Je suis pas sûre. Qui d'autre pourrait être au Caire, en tout cas, que nous connaissance commune? Est-ce que j'en ai la moindre idée? Peut-être que c'est Sir Reynolds qui saurait nous répondre. Enfin, je me tourne vers du coup Peter. Oui, Peter. Il s'appelle Peter Oui, Reynolds. Peter était encore en train de regarder cette jeune femme qui lui avait jeté un regard assez hypnotique. Et vous Absolument. le voyez qu'il reste un petit peu béat. Et Peter se dirige vers le réceptionniste et dites-moi, ces deux personnes qui sont passées avant nous, vous savez qui c'est? J'ai l'impression d'avoir déjà rencontré cette dame. C'est oui, c'est Monsieur Lupin. C'est un Allemand, un très grand marchand d'art. Justement, il est accompagné de sa fille. Il vient régulièrement, justement, pour faire quelques acquisitions. Un client fidèle de cet établissement. Fabuleux. Je me disais bien que j'avais déjà entendu ce nom quelque part. Merci beaucoup, l'ami. Mais Et vous en prie, vous en prie. je lui glisse un petit pourboire. Merci, monsieur, merci. Quand tu lui donnes d'ailleurs un pourboire, tu peux me faire un jet de trouver objet caché. Mais certainement dès que j'aurai trouvé la compétence. Allez, complètement en bas à droite. Hop là. Voilà. Alors, j'ai pas vu le résultat, mais vas-y, je te C'est laisse. un 2 étoiles, c'est un 22 sur 65. Alors, on va regarder ça. Alors, tu peux cocher, hein, chaque fois que vous réussissez un jet, vous pouvez cocher la petite case après, comme ça vous permettra par la suite. Ah oui, donc c'est une très belle réussite que tu as fait là. Tu remarques à un moment donné, quand il s'est baissé pour prendre le pourboire, il a légèrement baissé sa tête et tu as pu observer une calvitie assez étrange au niveau de son oreille gauche. Il se redresse, merci beaucoup monsieur. Tenez, voici vos clés. Moi, peut-être, s'il met plusieurs jeux de clés sur le comptoir, je me saisirai du mien et puis je dirai, écoutez, il se sera présenté, on connaît son nom de famille au réceptionniste Clinton, c'est ça? Oui, tout à fait. Écoutez, Sir Clinton, si je peux me permettre, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, bien évidemment. Je suis là pour ça. Vous le savez, et là je baisserai vraiment d'un ton afin qu'ils comprennent que je ne souhaite pas que cette conversation s'ébrouille. J'ai entendu quelques rumeurs sur votre établissement. Je sais qu'il se passe des choses ces derniers temps. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Vous travaillez ici après tout. Oh, vous savez, comme dans n'importe quel hôtel, il peut se passer en effet des choses. Souvent, nous organisons des bals, des réceptions, et puis il peut y avoir quelques débordements. C'est tout à fait naturel. Non, je ne parlais pas vraiment de ça. Je sais qu'il y a, comment dire,
des événements qui sont troublants. Et pour être tout à fait honnête avec vous, nous sommes ici pour ça. Et j'aurais bien aimé savoir un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous avez pu entendre. Je sais que on nous aurait pas fait venir si c'était pas important, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez pu glaner lors de vos journées de travail sur ce qui inquiète entre guillemets la direction de cet hôtel? Il voit qu'il a un petit peu peur d'ailleurs quand il voit ton regard assez sombre. Tu peux me faire un jet d'intimidation. On va voir comment est-ce qu'il va réagir. D'intimidation. Ah, heureusement. Alors, combien tu as fait? 66. Alors, tu peux utiliser tes points de chance, hein, si tu le souhaites, mais voilà, 21 points de chance, il va pas t'en rester beaucoup. Ouais, fortement déconseillé, mais c'est pour un peu t'expliquer ces règles. Ouais. Eh bien, on a des... Il se passe, bien sûr, comme dans n'importe quel hôtel, comme je vous disais, il se passe plutôt des choses assez bizarres. Je semblais avoir une fois entendu des cris dans la chambre 122, il y a 2 jours de cela, alors qu'elle était vide à ce moment-là. Bon, c'est probablement rien, quelqu'un qui peut-être a essayé de prendre un petit peu de bon temps. Oui, est-ce que je veux dire. Bah, je sortirai un petit carnet, vous verrez, un petit carnet tout à fait très très, très sobre, en cuir, avec une reliure en cuir et avec mes initiales dorées. Toute petite dessus. Puis je sortirai un beau stylo et je noterai bien sûr l'information. Merci, c'est bien aimable à vous, Sarpington. Je vous remercie en tout cas de votre franchise. J'imagine que c'était au premier étage, c'est bien cela. Alors le 122, alors je vais voir s'ils sont pas loupés, mais normalement c'est à ce niveau-là. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, tenez, d'ailleurs, je vais vous montrer le plan de l'hôtel. Comme ça va vous permettre de vous guider à travers ces lieux. Je vais d'ailleurs même demander au concierge de vous détailler un petit peu votre environnement, les boutiques de luxe, tout ça. Je vais l'appeler tout de suite. Il me ressemble un peu. C'est vrai. Et quand il arrive, d'ailleurs, il te dévisage un petit peu. Comme si tu voyais son jumeau, son propre jumeau. Bonjour, est-ce que vous avez fait un bon voyage? Je m'occupe d'eux si vous voulez. Oui, sans problème. De toute façon, je vous ai remis les clés. Et puis les frères, justement, Rayers, amènent vos bagages directement dans votre chambre. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et vous avez à Brad Murray, justement. Eh bien, si je puis me permettre, donc je vais prendre tout de suite le relais. Je vais vous faire visiter ces différents lieux. Donc, vous avez, juste en sortant sur votre gauche, quelques boutiques de luxe où vous pouvez accéder, par exemple ici, à des boutiques de souvenirs. Et pour ceux qui sont amateurs de cigares, et il y en a dans cet établissement, on a vu justement, j'ai pu croiser Winston Churchill justement qui vient expressément pour l'anniversaire qui va se dérouler ce soir du directeur de l'hôtel et qui visiblement est un grand amateur de cigares, si je pourrais dire. Winston Churchill, oui, vous en avez bien sûr entendu parler, hein, c'est le secrétaire d'État à la guerre et aux colonies. Et à cette époque-là, il a 48 ans. Bien, si nous pouvons continuer donc la visite. Pour ces messieurs, justement, vous avez une boutique de mode masculine. Ainsi, et pour madame, des bijoux de chez Mary Reeser. Et sur la partie est, vous avez également une boutique de souvenirs, ainsi que le Petit France. Un établissement, justement, de mode... pour vous les femmes, ainsi que une boutique de montres Secha, très très haut de gamme. De ce côté, nous avons la fameuse salle Isis, où vous pourrez vous rafraîchir autour un jardin mythique, et il y a également une très très belle bibliothèque, assez bien fournie justement, avec de livres de collection.
Vous pouvez aussi prendre vous rafraîchir au bar, au lounge bar, qui ouvre dans l'après-midi en général vers 16h. Et sinon, si vous avez besoin de vous rafraîchir à l'extérieur, comme vous avez pu le remarquer, à la grande terrasse de l'hôtel à l'entrée, vous pouvez vous installer et nos serveurs viendront prendre vos commandes. D'ailleurs, j'ai... Le directeur, justement, Beller, m'a fait part, justement, de votre venue et m'a laissé un message pour vous en vous précisant qu'il souhaitait vous rencontrer, vous retrouver à la terrasse de l'hôtel, justement, pour 11h. Il est quelle heure, là, exactement? Je sortirai, tu sais, ma petite montre avec un petit bracelet en cuir. Quasiment 9h30. Oh, ça pourrait nous laisser le temps de peut-être profiter d'un rafraîchissement. Il fait très chaud. Je sais pas ce que vous en pensez, Lady. Oui, tout à fait. Clinton, vous pouvez faire monter nos bagages dans nos chambres, bien sûr. Oui, Clinton s'en est occupé, justement. Vos bagages, ils sont déjà. Ah, mais c'est parfait. Le décalage horaire. Est-ce que je peux me permettre une question, avant peut-être que nous nous quittions? Oui, bien sûr, je vous en prie. Juste avant de terminer, voilà, vous avez la salle du restaurant qui se situe ici. Et la salle de bal ce soir, où il va y avoir justement une grande fête pour l'anniversaire du directeur. Cependant, c'est uniquement sur invitation. Très bien. Justement, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des personnalités importantes actuellement dans l'hôtel là? Oui, justement, dans le cadre de cet anniversaire, il va y avoir justement le fameux Aja Khan I. Alors ça s'écrit Aja Khan III, qui est le fameux 48e imam des musulmans chiites ismaéliens, et président de la Ligue musulmane et de l'Assemblée générale de la Société des Nations. Je note ça dans mon carnet, étant donné que... Et il y aura également aussi le prince, excusez-moi, le roi Fouad, justement, d'Égypte, qui devrait également faire une apparition. Et nous ne sommes pas invités? Écoutez, je n'ai pas eu cette information. Peut-être vous devriez en parler au directeur, vu que vous allez... Mais je pense que certainement vous serez invité. Ah, nous verrons avec lui le moment venu. Eh bien, merci en tout cas pour ces informations. Eh bien, je pense que nous allons nous rendre au bar. Enfin, peut-être dans cette salle Isis, on peut consommer sur place, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Vous pouvez consommer sur place si vous le souhaitez, ou même à la terrasse. Voici ces deux endroits qui sont actuellement libres. De toute façon, vous avez vos clés. Vous pouvez directement, en tout cas, retrouver vos bagages si vous le souhaitez. Je vais peut-être repasser par ma chambre afin de me changer. Je vous rejoins sur place, je ne sais pas si vous voulez faire de même, mais... Ah, le voyage a été horrible, personnellement, je vais commencer par aller me changer. Ouais, je m'en doute. Eh bien, très bien, donnons-nous rendez-vous dans 15-20 minutes, cela vous va? Bah écoutez, je vais vous accompagner directement à l'étage du dessus. Alors, il vous montre sur la carte, vous avez des différents ascenseurs, ici... Et il vous invite à emprunter celui-ci. Vous arrivez directement à vos chambres et je vais vous les préciser, les indiquer. Alors vous croisez beaucoup de personnes fortunées, quelques individus, peut-être des archéologues, d'autres individus, des touristes américains. Ou alors un militaire un peu qui a déjà un petit peu mis de whisky peut-être dans son café à cette heure-ci. Et donc à l'étage numéro 1, vos chambres vont être placées ici. Alors je vais placer vos tokens, comme ça ce sera peut-être un peu plus parlant. Et d'ailleurs il y a les bagagistes, les trois frères meilleurs qui sont... justement présent, il venait juste d'installer vos valises. Attention s'il vous plaît, c'est fragile. Oui monsieur, vous inquiétez pas. Je mets ça ici tout de suite.
Et tu vois qu'il est assez petit, un petit bonhomme qui doit peut-être faire... Alors, ils sont de type caucasien, hein, ils ont un accent peut-être suisse, ils sont... font peut-être 1m55, mais ils sont assez, assez costauds, quoi. Et puis, ils se lèvent, en effet, ta très très grosse valise, et qui t'installe ça sur ton lit. Pour madame, vous souhaitez peut-être un support pour vos bagages D'ailleurs, qu'est-ce que tu as, Isabella, comme bagage? Oui, bien, j'ai bien entendu une malle, une valise, mon vanity case, mon sac à main. Puis peut-être, bien sûr, un bagage spécial pour les chaussures. Très bien, bah, il met ça justement, tu as une buanderie. Alors ça reste quand même des chambres assez sommaires où à l'intérieur vous avez un bureau, un tout petit balcon et vous avez une petite salle de bain avec baignoire. Bien sûr, table de chevet, lit à baldaquin, sur un super tapis magnifique égyptien oriental. Vraiment, c'est dans la continuité, dans l'hôtel, qui a un côté un peu rococo, mais en même temps très typique. Hein. On a l'impression d'être, quand on arrive, rentré dans un temple. Alors, je vous ai placé là, mais après, vous pouvez placer, choisir la chambre que vous souhaitez. Hein. Oui, non, c'est très bien. Okay. Chaque bagagiste, d'ailleurs, reste là, à vous fixer. Vous avez besoin de quelque chose d'autre, chacun s'adressant à vous. Moi, je sortirai un petit portefeuille et je lui donnerai quelques livres sterling. Je ne sais pas si la monnaie anglaise est acceptée ici. Oui, bien évidemment. Hein. Elle est parfaitement acceptée. Merci pour votre travail. Juste par curiosité, est-ce que vous auriez des informations un petit peu à nous partager sur ce qui va se passer prochainement, ou je sais pas, Oui, bah, il va y avoir justement la très très grande soirée organisée pour l'anniversaire du directeur. Et d'ailleurs, on est en train d'installer toute une végétation, une jungle dans la salle des bals. Ça devrait... je vais vous confirmer l'heure, justement. Je vous laisserai un petit mot, justement, sur votre table de chevet. Justement, je voulais savoir s'il y avait un programme des événements futurs, je ne sais pas, qui vont s'organiser dans l'hôtel durant la semaine, par exemple. Alors, il me semble que vous êtes ici pour... Monsieur Murray, excusez-moi, combien de temps allez-vous séjourner, vont-ils séjourner ici? Eh bien, vous avez une réservation pour 2 nuits. Voilà, mais après, il peut y avoir une extension si vous le souhaitez. Nous allons pouvoir nous arranger. Après, je verrai si ces chambres en question sont réservées. Mais de toute façon, il y a encore de la disponibilité, même si c'est la haute saison. Et que en ce moment, l'égyptologie attire beaucoup de gens fortunés du monde entier. Mais nous devrions pouvoir vous trouver une chambre. Très bien. Ben merci pour ça, pour ces informations. Ouais, en effet, je donnerai des pièces au porteur. Ouais. Sur ce, je vais me changer. Je vous dis et je saluerai poliment mes deux comparses. Je vous dis dans 15-20 minutes dans la salle Isis, du coup. Et sinon, monsieur, oui, demain soir, je sais que si je ne sais pas si vous aimez le cinéma, mais il va y avoir un film d'un Danois, un film sur les sorcières, quelque chose qui a été censuré, il paraît, qui avait fait scandale. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je peux peut-être vous retrouver l'affiche. Ah, volontiers. Et à quel horaire est diffusé ce film? Mais de rien, les autres pourront voir que je suis assez, assez intéressé par ça. Écoutez, je vais regarder. Je vais regarder vers quelle heure. Il me semble que c'est en fin d'après-midi à partir de 18h30, 19h. Mais je vais vous le reconfirmer, monsieur. Excellent. Très bien. Merci. J'attends vos nouvelles. Merci, monsieur. Et encore merci beaucoup pour le petit billet. C'est bien normal. Il repart. Peter, toi, tu t'es installé dans ta chambre, donc. Ouais, alors Peter, il s'est arrangé pour qu'on lui trouve une chambre pas trop loin de la 204. D'accord. Voilà. Alors, donc, est-ce qu'il... Il a repéré un peu où se trouvait la 204, et puis voilà, il a argumenté en disant qu'il aimait bien ce coin-là, il aime bien la lumière, et puis voilà. Alors, tu vas me faire un jet de chance pour voir si la chambre est libre. Très bien. Alors, chance.
et en même temps un jet de crédit. Ah mince. Et un jet de crédit. Ouais. Alors attends, je ne vois pas ça, crédit. Où est-ce que je trouve ça? Crédit. Ah pardon, ça y est, j'ai trouvé. Oula, bah ça va être dur. Hein. Ah ouais, dis donc, waouh. C'est quoi crédit? Malheureusement, monsieur, il n'y a pas de chambre de disponible à ce niveau-là. Je suis navré. C'est Muret, justement, qui te... Je viens d'échanger directement avec Clifton, qui vient de me le confirmer. Mais je fais tout pour... votre chambre ne vous voit pas? Ne vous convient pas? Oh, c'est juste que je préfère... c'est une question d'orientation, vous comprenez. Je comprends. Sud-est, ça me plaît. Écoutez, je vais voir pour essayer de faire le nécessaire. Nous reviendrons vers vous. Merveilleux, merci beaucoup. En attendant, vous pouvez rester dans la chambre que... En tout cas, nous avons... Vous pouvez laisser vos affaires dans cette chambre, hein, si vous le souhaitez. Parfait, merci. Donc, tu reviens dans ta chambre directement? Bah écoute, ouais, je prends mon temps en passant au niveau de la 204, mais après je retourne. Disons que je laisse traîner mes yeux, peut-être un peu mes oreilles, et ensuite je vais dans la chambre qui m'a été attribuée. Tu peux me faire un jet d'écouter quand tu passes à côté de la chambre 204. Pardon, un petit problème avec ma feuille. Tac, il faut que je rouvre. Voilà. Écoutez. Et voilà. Il a de bonnes oreilles, Peter. Ah, en effet, ouais, dis donc. Et tu entends en effet ce père allemand et sa fille, ce marchand d'art, commencer à... Ça, d'ailleurs, ça résonne, hein, il a un ton, commence à amplifier le ton, à lui crier de dessus, je ne veux pas que tu portes cette robe ce soir, en aucun cas, et arrête de traîner je ne sais où, et je ne veux pas que tu revoies cet Italien, ce charmeur Italien qui profite de toi. Un peu de dignité, ma fille, à ton âge, sincèrement. Et tu entends à ce moment-là une sorte de... peut-être une vitre brisée, quelque chose, et elle se met à crier. Ok. Et quel genre de cri? Un cri plutôt effrayé. Bah écoute, je me précipiterai à la porte en frappant. Alors, la porte s'ouvre. Juste avant, tu as entendu ses cris, en effet. Est-ce qu'il y a un problème? J'ai entendu crier. C'est le père qui ouvre la porte. Tu peux me faire un jet de trouver objet caché, justement, pour... voir si tu arrives à percevoir ce qu'il y a derrière. Eh bien, c'est loupé. Tu aperçois en effet, tu ne vois pas sa fille, Olga. Tu le vois lui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, rien, monsieur. J'ai entendu un cri de détresse. J'ai cru que vous aviez besoin d'aide. Ce n'est rien, c'est juste une mouette, justement, qui a percuté notre fenêtre. Rien de plus. C'est embêtant, effectivement. Vous voulez-vous que je fasse venir quelqu'un pour vous aider à nettoyer ou... Oui, appelez... il regarde comme ça à travers les couloirs. Il fait signe, justement, à un des bagagistes. Vous, là-bas! Venez, s'il vous plaît, tout de suite, immédiatement. Ma propre fille s'est retrouvée avec la tête de cette mouette à ses pieds en sang. Et toi, Peter, tu peux apercevoir justement sa fille qui est en larmes, mais qui s'éloigne très rapidement de ton champ de vision. T'as eu à peine le temps de voir son visage.
Et tu vois, en tout cas, tu peux apercevoir la vitre avec du sang autour. Et puis, sur le balcon, des petites ailes de cette mouette qui continuent à battre dans le vide. Et le bagagiste approche. Oh là, mais quelle horreur. Je suis sincèrement désolé, monsieur, on va s'occuper de tout. Il y a intérêt. Voilà. Et il referme la porte directement... face à toi, tu te retrouves dans le couloir. Eh ben écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mal en patience, alors non pas juste à côté de la porte, mais pas trop loin, de sorte que je puisse discuter avec le bagagiste et lorsqu'il ressortira. D'accord. Quant à toi, Isabella, tu t'installes, tu te poses. Que fais-tu en particulier? Est-ce que tu te reposes ou est-ce que tu fais autre chose? Oui, bien, j'ai vérifié que l'eau marche et je vais prendre je suis pas sûr que ce soit très courant les douches à l'époque, donc ce sera peut-être plutôt un bain. Avec une eau pas trop chaude hein, pour me détendre, me rafraîchir pendant un bon quart d'heure. Hein. Et puis ensuite, je vais m'habiller. Mettre des vêtements de circonstance et aller sur la terrasse. Eh bien, quand tu t'installes dans ta baignoire, justement, tu as peut-être pris un thé, peut-être pour accompagner ce moment, ou peut-être une coupe de champagne. Thé glacé. Et tu as mis une température d'eau comment? Plutôt tiède, plutôt bouillante? Oui, c'est ça, tu vois, genre entre 30 et 35 degrés par là. Grand max, plus froid que la température corporelle, histoire de me rafraîchir, mais sans que ce soit trop froid. Tu vas pouvoir me faire un jet de pouvoir. Hein, je sens qu'il ne faut pas prendre des bains dans cet hôtel. L'eau commence à être gelée. Le robinet était arrêté. Tu t'étais un petit peu assoupi. Tu n'as peut-être pas forcément effectué très bonne nuit de sommeil. Assez agité. Il y avait plusieurs arrêts. Étant donné que vous êtes arrivé la veille à 19h, votre train de nuit était à 23h. Donc ça a duré quand même pendant plusieurs heures. Hein, même si les distances sont assez courtes. Hein, plus de 200 km. Mais... train, cette époque roule très très lentement, mais d'un seul coup, en fait, la température commence à se rafraîchir, voire l'eau commence à descendre en dessous des 30 degrés, puis des 25 degrés. Ouh, si vite! Et là, 20 degrés. Oui, je sors. Sors tout de suite. Je sors, je mets une serviette, je m'enroule dedans, et je mets la main dans l'eau pour voir où, si j'ai pas rêvé. Où je me dis peut-être que je suis très très fatigué finalement, bien plus que je pensais. Bah là, ça s'inverse complètement radicalement. Il y a une chaleur assez insupportable qui envahit l'eau, justement, quand tu mets ton doigt. Et ça te brûle à peine, quoi. Et même l'eau qui était dans ton thé glacé commence à se mettre à bouillir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je m'écarte, je m'éloigne de cette tasse et de cette baignoire. Et tu vas pouvoir me faire un jet de santé mentale. Bon bah tout va bien. Oui, c'est ridicule, je suis en... En serviette ou en peignoir, je ne vais pas me promener dans le couloir. Il n'y a pas de porte qui communique avec la 37. Non, il n'y a pas de porte qui communique. Bon, eh bien, écoute... Contrairement à ce qui est indiqué sur le plan, hein, c'est pas contractuel. Je vais m'habiller assez rapidement. Et puis je vais toquer à la porte du 37, et s'il n'y a pas de réponse, je vais toquer à la porte du 36.
Tu entends frapper. Un peu sèchement, frénétiquement, tu veux, enfin pas frénétique, mais. Bah, en effet, tu me verras probablement ouvrir la porte. Je vois que je me suis complètement changé. Lady, il y a un problème. Ah, Samuel, voudriez-vous venir vérifier quelque chose dans ma chambre pour moi, s'il vous plaît ? Bien sûr, un instant. Et puis tu vois que quand tu dis ça, je prends mon holster qui était accroché sur le porte-manteau et je me le mets et je mets une petite veste en lin afin de dissimuler le truc et je t'accompagne. Tu es un petit peu impatiente pendant que tu fais ça. Je danse d'un pied sur l'autre et puis voilà, dès que tu es prêt, je fonce vers ma porte. Je te mène dans la salle de bain et l'eau, il fait une chaleur étouffante. Hein. Tu la ressens également, Samuel, quand tu rentres. Oui. Pouvez-vous me dire quelle est la température de cette eau ? C'est un vrai sauna ici. Bah, je trempe le doigt et... Peut-être 40 degrés, la porte est restée ouverte, ça commence à diminuer progressivement. Mmh. Eh bien, elle me semble très très chaude. Peut-être que vous avez un problème avec votre robinetterie. Ne m'embêtez pas, vérifiez la température du thé aussi, je vous prie. Écoute, tu vois que je trempe cette fois-ci mon petit doigt dedans, que j'apporte à mes lèvres aussi. Oui, c'est assez bouillant d'ailleurs encore. Hein, tu le retires directement, hein, ton petit doigt. Donc, je pense que votre thé est peut-être un peu trop chaud. Ah, vous êtes bien d'accord avec moi. Oui, en effet. Et en quoi cela de... Enfin, vous avez peut-être mal réglé la... Écoutez, je sais pas, oublions cela. Je tire la petite chaînette pour vider l'eau du bain. Et puis je verse le thé dans l'eau. Qu'il s'en aille aussi avec cette eau du bain et que je n'entende plus parler de tout ça. Maintenant que j'ai eu confirmation que je n'avais pas eu la berlue. Écoutez, si votre douche est dysfonctionnelle. Je peux peut-être vous laisser ma chambre. J'essaierai de voir avec l'hôtel s'ils peuvent peut-être régler le problème. Oh Samuel, vous êtes un amour, mais ne vous embêtez pas. On verra bien si ça s'arrange ou pas. Oui. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à en parler au personnel. Je pense qu'ils pourront peut-être inspecter votre chambre, voir si vous avez un problème quelconque. Mais tu vois que je sors ma montre. Oh, ils ont déjà pris un peu de retard. Oui, il est 10h45 et pendant ce temps-là, justement, Peter, tu vois la porte qui... Tu étais où exactement ? Alors, laisse-moi regarder le plan, tac, parce que là j'ai la photo du monsieur devant. En effet, il est 10h45. Écoute, je me serais mis... C'est les escaliers qui sont là, hein. Hop. Oui, bah... tout à fait, oui, t'as les escaliers ici, hein. J'imagine qu'au niveau des escaliers, il doit y avoir peut-être un banc ou... Oh bah, il y a des gros vases, justement. Puis il y a des petits... en effet, il y a des petits bancs. Voilà, je me suis installé là. Avec un tissu très... Enfin, de type très colonial. Bah, je me serais installé là, et puis j'aurais joué un petit peu avec... un peu avec mes jeux de cartes, mes piécettes. Voilà, j'aurais fait travailler mes doigts. Il ouvre la porte à un moment donné, donc il est 10h45 et tu vois là des bagagistes et serviteurs meilleurs qui repartent justement avec un sac plastique dans les mains et va justement emprunte un local justement dédié pour tout le service de nettoyage. Bah... Quand je vois qu'il va s'engouffrer dans un lieu où j'ai pas accès, je l'interpelle. Oui, bah il passe devant toi justement. Et l'ami. Oui, monsieur, oui. Je peux voir, c'est quoi cette histoire de mouette ? J'ai entendu qu'une mouette s'était tuée. Oui, bah voilà, vous avez sa tête là, et puis vous avez son petit corps là avec ses petites ailes. Regardez, c'est. Et comment a-t-elle fait pour se couper la tête ? Pas vu la vitre, voilà, et puis la vitre lui a sectionné le cou. C'est incroyable, ça arrive souvent. Des choses comme ça, pour être franc avec vous,
pas tous les jours, mais il s'est passé des choses quand même assez bizarres quand même. Ah bon ? Mais comme quoi ? Ouais, bah, j'ai entendu dire justement que l'un des touristes de cet hôtel, hein, je crois que c'est un Américain, j'avais entendu dire que il y a quelques jours, pendant qu'il dormait, il avait remarqué une présence dans sa chambre. Alors, il était venu voir à la réception, quelqu'un se tenait devant son lit et le regardait fixement. Hein, quelqu'un qui avait un costume noir. Et il disait qu'il avait l'air triste, une tête nue, il restait debout sans rien dire, comme une statue. Et alors il lui a crié dessus, mais il n'a pas répondu. Et cette personne, en fait, faisait juste un bruit, en fait, qui ressemblait à un claquement de dents. Et quand cet Américain, justement, qui était dans son lit, s'est levé, cette personne a disparu. Ah oui, c'est étrange. C'est pour le moins stupéfiant, ce qui se passe dans cet hôtel. Mais ça fait longtemps, ou ça, enfin, je veux dire, ça a toujours été comme ça, qu'il y ait des événements... Moi, je travaille ici depuis un moment et ça fait à peu près depuis un mois, même pas, non, peut-être deux semaines. Cassé. Ça fait deux semaines qu'il y a de ce genre d'événement. Des témoignages un peu bizarres, comme celui-ci. Bon, une mouette, ça peut arriver. Peut-être que finalement, cet Américain, il a fait un mauvais rêve, un cauchemar. Ça peut s'expliquer. Ça y ressemble, oui. Enfin, très honnêtement, on a tous rêvé de choses étranges de ce genre-là, non ? Oui, oui, ça peut arriver, surtout avec ce qu'on entend, ce qui se passe au niveau des découvertes archéologiques. Ça révèle dans certains journaux, on va dire, pulp, certaines influences. Moi, ça m'arrive d'en lire et puis après de rêver de choses où je me fais attaquer par une momie. je n'ai pas eu encore le privilège de faire ce genre de rêve. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas passé assez de temps en Égypte encore. Ouais, je vous passerai si vous voulez. J'ai un magazine assez sympathique, Pulp. Justement, il y a des histoires un peu fantastiques, un peu d'horreur. Ça pourrait vous plaire si c'est ce que vous recherchez. Avec plaisir. Me permettez-vous de juste jeter un coup d'œil à cette mouette ? Vous savez, je suis magicien de profession et faire des tours avec, disons, qui vous voulez faire quoi de cette mouette ? Bah, rien, je veux juste voir si c'est pas un mauvais tour qu'on a préparé, si c'est vraiment un accident. Bah, elle est vivante, la mouette, regardez, elle est morte. Ouais, ouais. Bah, je jette un coup d'œil, voir oui, si, tu vois, si la coupure, ça ressemble à un accident ou si ça a pu être fait, j'en sais rien, au couteau, de façon un peu bizarre. Alors... Est-ce que tu as une compétence peut-être en médecine, peut-être en sciences ? Pas spécialement, non. Eh bien, on va partir sur un jet d'intelligence. Un jet d'intelligence ? C'est INT, et donc en fait, c'est une caractéristique. Je ne sais pas si ça peut servir, sinon. Bon, pour soigner cette pauvre mouette décapitée, non, ça ne va pas servir à grand-chose. Allez, c'est parti pour intelligence. Eh bien, c'est un 84, et je suis pas aussi intelligent que ça. Alors, vous voyez ? Elle s'est fait ça toute seule. Ah oui, oui, oui. Ouais, non, vous avez raison. Bon, je suis désolé, monsieur, je dois vous laisser, mais je vous laisserai mon magazine. Vous verrez, c'est assez intéressant. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup. Et bon courage pour votre journée. Merci, merci. Alors, il repasse, d'ailleurs, vous le voyez, à un moment donné, Samuel, et puis... S'il vous plaît. Oui. Oui, vous voyez, il a un sac plastique. Excusez-moi, j'ai eu un problème tout à l'heure avec l'eau du bain. La température ne correspondait pas. Est-ce que vous pourriez vérifier à un moment que tout est normal ? Tout de suite, Lady Archer. Je m'en occupe tout de suite. Attendez, hein, je dépose juste quelque chose dans la réserve et je suis à vous. Il va juste en face, en fait. Il y a des WC d'ailleurs également, hein, si besoin, à chaque étage. Et il revient. Vous avez donc un problème de température ? L'eau était trop chaude. Vous voyez, il est en train de... Il a un peu les mains sales, mais je peux utiliser votre évier pour me nettoyer les doigts.
J'ai un petit peu de... Je regarde un air un petit peu dégoûté quand il me dit ça. Bah, il y a un petit peu de sang sur les doigts, justement. Mais qu'est-ce que c'est ? Non, non, je vais aller aux toilettes en face. Oui, venez m'excuser. Faites ça et revenez ensuite. Écoutez, peut-être Lady Archer, on peut laisser cet homme faire son travail et nous rendre rendez-vous. Ce serait tout de même inconvenant d'être en retard. Oui, bien sûr. Du moment qu'il se lave les mains avant d'aller dans ma chambre. Et tu le vois revenir. Bon, apparemment, il a les doigts propres. Il a pris son temps. Commence à tester les robinets. Il enlève justement une plaque en dessous de la baignoire, justement, pour garder la tuyauterie, voir si tout correspond. Vous pouvez sortir, madame, hein, si vous voulez. Hein. Je m'occupe de tout, vous inquiétez pas. Bien sûr. Merci, monsieur. Et allons-y. Eh bien, je pense qu'on descendra l'escalier, mais je ne sais pas si l'escalier juste à côté fonctionne ou s'il faut rejoindre celui de... Oh, vous pouvez utiliser n'importe lequel, l'escalier. Hein. Les ascenseurs fonctionnent aussi. En tout cas, on prendra le plus proche pour descendre, en effet, au lieu de rendez-vous. Très bien. Toi, Peter, tu étais retourné à ta chambre, retrouver les autres ou... Oui, moi je l'ai. Non, je pense que. Oui, bah, j'aurais suivi le bagagiste, donc oui, je les aurais croisés au moment où il les a interceptés, en fait. D'accord. Oui, donc voilà, vous partez en direction du lieu de rendez-vous, directement à la terrasse de l'hôtel. Il y a plusieurs dizaines de tables, il y a 25. Touristes, clients de l'hôtel qui sont déjà installés. Il commence à faire très très chaud et il fait même peut-être 30 degrés environ. J'ai bien fait de mettre une tenue en lin. C'est vrai que cette chaleur... Et vous voyez que je sortirai un mouchoir et je m'épongerai un peu le front de dégouinant de sueur. Un homme vous fait signe justement un peu plus loin... Parmi cette foule, et vous l'avez vu justement, vous le reconnaissez, c'est Charles Beller, vous l'aviez vu en photo dans cet établissement. Il vous invite justement à le rejoindre à une table circulaire, table ronde en métal, prévue pour 4 personnes. Bah, je pense que en tout cas, je m'en approcherai. Hein. Par ici, mes amis, par ici. Il vient vous accueillir, justement. Il a 2 serviteurs à ses côtés. Vous avez du mal à respirer quand même. Hein. Il n'y a pas de vent. Il n'y a même pas une petite brise qui vient adoucir cette terrible chaleur. L'atmosphère est moite, humide, au point que les mouches vous collent à la peau, trempées de sueur. Il y a aussi de la poussière qui vole partout, qui adhère aux bras, au visage dénudé. Et vous voyez certains habitants qui, se couvrent entièrement. Je suis rassuré enfin de vous retrouver, justement. J'ai justement un ami de la même chaîne d'hôtel à Londres, justement, sur lequel vous aviez effectué certaines enquêtes, qui m'a recommandé. Et comme je vous ai dit, il y a eu certains incidents. Mais installez-vous, on va vous apporter des rafraîchissements, peut-être de l'eau citronnée avec des glaçons. Bien, bien, bien volontiers. Ce sera parfait pour moi, merci. Est-ce que sinon vous auriez des spécialités rafraîchissantes locales à nous recommander ? Vous avez du thé glacé, justement. Sinon, vous avez des jus de figues et de dattes. Oh bah écoute, nous avons aussi les oranges qui sont exquises. Je serais curieux de goûter, en effet, un des jus de fruits local. Et si vous êtes amateur, nous avons également des oranges de Jaffa que nous importons directement.
Eh bien, ma foi, très volontiers. Même si, voilà, le protectorat britannique, c'est, on va dire, changé finalement, s'est écarté de l'Égypte. Il n'empêche, nous continuons à avoir des relations très privilégiées avec ce nouveau pays en pleine émergence. Oui, ce que vous savez en effet, c'est que début d'année, l'Égypte a eu son autoproclamation avec un roi qui a été instauré, mais ça reste toujours sous protectorat anglais quand même. Jaffa, c'était en Égypte ? Non, c'était ce qu'on appelait avant la Palestine. Ah oui. À côté maintenant de Tel Aviv. Et juste par curiosité, je ne sais plus qui c'est qui nous en avait parlé, mais un du personnel de l'hôtel nous avait parlé de quelqu'un de la royauté qui serait présent ce soir à l'anniversaire, c'est ça ? C'était quoi déjà son nom ? Oui, c'est tout à fait, c'est le roi Fouad. Oui. Qui devrait arriver justement également pour la fête de mon anniversaire. Une soirée costumée. Bon, d'accord. Et c'est ce monarque et le monarque justement actuel de l'Égypte ? Oui, exactement. D'accord, très bien. Tout à fait. Eh bien, sinon, si vous nous parliez un petit peu de pourquoi vous avez demandé notre aide. Oui, tout à fait. Eh bien, En effet, comme vous avez pu le constater avec ce ton assez alarmiste, je n'ai pas voulu effrayer les personnes, en tout cas les touristes, nos clients, quoi. Mais voilà, ça a débuté il y a quelques semaines de cela. Nos clients nous ont rapporté qu'ils ont fait d'horribles cauchemars, mais certains, surtout les plus âgés, ont fait le même rêve, à savoir une affreuse masse bouillonnante qui ont envahi leur chambre comme des ballons de fête foraine. Puis ces masses bouillonnantes les ont écrasées et englouties. On a eu aussi d'autres phénomènes un peu inquiétants. Au petit déjeuner, la vaisselle du restaurant s'est couverte de grouille au contact de la peau et ont commencé à voler en éclats sous nos yeux. Les colonnades ont commencé à s'abîmer, des fissures, des craquelures qui ont apparu très subitement sur toute la surface. Et d'autres individus qui ont rejoint leur chambre ont croisé des meutes de rats sortis des égouts qui ont galopé au beau milieu des couloirs. Nous n'avions jamais vu ça. Et dès qu'ils ont ouvert leur porte, la pièce, leurs chambres sont devenues glaciales et ils ont commencé à claquer des dents alors qu'il faisait encore 30 degrés à l'extérieur. Ah oui. Oui, vous êtes envahi de phénomènes inexpliqués. Oui, c'est pour ça que cette personne pour laquelle elle m'a recommandé m'a expliqué que vous aviez effectué des enquêtes, mais d'un esprit assez large qui pourrait tourner peut-être autour de phénomènes paranormaux, occultes. Et c'est pour ça que voilà, j'ai besoin absolument que vous m'aidiez. Et bien sûr, j'exige une description absolue. La réputation du Shepherd en pâtirait lourdement si les journaux assoiffés de ce genre d'histoire terrifiante avaient vent de l'affaire. L'établissement est une institution au Caire. Il n'a pas besoin de ce genre de publicité. Et vous voyez, il continue à s'essuyer le front avec son mouchoir brodé d'initiales. Vous remarquez ces initiales de l'hôtel. Et est-ce que vous pourriez nous dire quand auraient pu débuter ces phénomènes ? Est-ce que vous seriez capable de dire quand il n'y en avait pas et quand il y en a qui ont commencé ? Écoutez, nous sommes le 21 novembre, ça devait être le 7 novembre, exactement, il y a 2 semaines. Ça ne s'était jamais produit auparavant, c'est pour ça que j'ai besoin absolument de votre aide. Bien sûr, en compensation, nous allons vous offrir
ces deux nuits d'hôtel, ainsi que la restauration. Et vous aurez également 100 livres égyptiennes, chacun. Alors ça équivaut à peu près à 400, alors je veux dire en dollars, ça, entre la livre sterling et dollars, ça doit faire 400 à peu près. D'accord. Écoutez, c'est très très aimable de votre part. Cependant, est-ce que je puis vous demander peut-être un autre service ? J'entends que vous demandez une grande discrétion et je suis certain. Mais je peux même vous proposer le double. Vous aurez le double hein, si vous obtenez des résultats probants. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est plus que je souhaiterais savoir s'il était possible que vous nous laissiez, comment dire, je ne sais pas, un certain. Certaines libertés que nous puissions nous rendre aux événements et que nous puissions enquêter entre guillemets à tout ce qui pourrait se passer au sein de votre hôtel afin de d'éliminer toutes les pistes envisageables. Eh bien, par exemple, vous pensez à une. En effet, il y a la soirée de mon anniversaire qui va se dérouler ce soir. Beaucoup de personnes seront invitées. Je peux vous obtenir bien évidemment des invitations. C'est une soirée d'ailleurs déguisée. J'espère que vous avez un habit, justement, un déguisement. Ok, je ferai le nécessaire en tout cas pour ne pas attirer trop l'attention. En tout cas pour ma part. Et d'ailleurs, monsieur. C'est ça, vous êtes Peter. Il me semble. J'ai entendu dire que vous étiez magicien. Certainement, certainement. Peut-être que vous nous feriez, vous accorderiez le privilège de réaliser quelques tours de magie ce soir, pour mon anniversaire. Plaisir, mais je ne suis pas sûr d'être à la hauteur du public que vous avez invité pour ce soir. Oh, vous savez, nous avons... je pense que ça va distraire toute notre clientèle et nos invités. Ils seront ravis. Vous savez. Ce sera avec plaisir, même si je ne suis qu'un petit magicien de province, je ferai de mon mieux pour distraire vos invités. Non, mon ami m'a justement fait part que vous saviez faire sortir des moineaux justement de vos manches et sectionner des pauvres victimes dans un coffre. Dans un cercueil. Ah, j'ai bien peur de ne pas avoir emporté tout le matériel nécessaire avec moi. Nous avons ce qu'il faut, justement. Nous allons pouvoir vous mettre cela à disposition. Merveilleux. Nous sommes au Caire, il y a tout ce qu'il faut. Même si vous voulez aller faire un tour, vous distraire après ces événements, après votre enquête, nous pouvons vous organiser peut-être une visite des pyramides de Gizeh. Nous ferons vraiment le nécessaire pour satisfaire... vraiment. Et sinon, je vous donnerai aussi accès, justement. Il y a ce cinéaste danois qui va venir demain soir projeter un de ses films assez sulfureux. Et Sir Beller, est-ce qu'il serait possible peut-être d'accéder au registre registre des clients de votre hôtel, à savoir quand est-ce qu'ils sont arrivés, ou ce genre de choses. À qui devons-nous demander ce type d'informations ? Ah, à Cleveland, le réceptionniste. Vous le venez. De toute façon, je voulais en tenir un mot après notre échange, et il vous donnera tout ce que vous souhaitez. Bah, écoutez, parfait. Merci beaucoup, en tout cas. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas pour vous autres, mais... À ce stade, non, on va prendre nos quartiers, on va commencer à discuter avec qui de droit, et puis on verra ce qui en ressort. J'ai déjà assisté tout à l'heure à un événement malheureux, une mouette qui s'est écrasée contre une vitre, qui se serait tranchée la tête, celle-ci est tombée au pied d'une demoiselle. Eh bien voilà, vous voyez, ça ne s'arrête pas, malheureusement. Peut-être maintenant que mon compagnon vous parle de cet événement étrange, est-ce que vous avez entendu parler de cette chambre, la numéro 122? Il semblerait que des cris ont été entendus. Vous en savez peut-être plus sur cet événement? Ça, je pense en revanche que
C'est probablement... Oui, Clément m'en a parlé justement, c'est probablement un incident, si je, si je puis me permettre. D'accord, très bien. Mais ça, je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Est-ce que ça a un rapport avec cet Américain qui a vu quelqu'un au pied de son lit alors qu'il dormait ? Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Non, absolument rien. Non, c'est un incident d'employé, on pourrait dire. Ah. Très bien. En tout cas, rien qui pourrait être lié de près ou de loin aux événements dont vous nous parlez. Non, non, absolument pas. Vous voyez, il est d'ailleurs assez gêné. Pendant ce temps-là, toi, Isabella, tu as un peu regardé autour de toi. Tu pourrais me faire un jet de trouver objet caché pendant que tu les écoutais. Oui, oui, oui. Quand ces hommes auront fini de parler, j'aurais peut-être aussi une question pour Mr. Peller. Oui, je vous écoute. D'ailleurs, on l'appelle sœur, mais est-ce que c'est vraiment un sœur ? Sœur, c'est monsieur, hein. C'est l'ordre. Non, c'est Mister, sinon, non. Tu dis pas tu peux l'appeler Mr. Beller, hein, tout simplement. Mr. Beller. Hein, ça marche aussi. Ah ouais. On a le droit de... d'utiliser les titres de la noblesse. Tu peux lui poser une question, hein. Enfin, tu peux lui poser tout ce que tu veux comme question. Il est tout oui. Hein. Il y a des serviteurs, d'ailleurs, égyptiens, qui continuent à vous servir votre citronnade ou un peu de thé glacé, éventuellement. D'accord. Et je remarque rien, du coup, de spécial autour. Alors, ce que tu remarques, à un moment donné, tu vois des sortes de scarabées. À trois tables d'ici, il y en a 3, 4, 5 qui commencent à monter sur les chaussures, de très belles chaussures en cuir d'un individu. Et quand tu relèves la tête, juste à ses côtés de cet individu, qui a un regard, on pourrait dire, pas très rassurant, il y a un autre homme. Tu l'as déjà vu quelque part, tu le connais, c'est Howard Carter. Tu as entendu dire justement qu'il avait... Il était en train d'effectuer des fouilles dans la vallée des rois, près de Luxor, sur la rive ouest. Et tu le vois installé avec cet individu. Ils ont l'air d'échanger. Dites-moi, Monsieur Belair. Oui. Y a-t-il eu des cas rapportés de changement de température de l'eau ? Oui, en effet. Certaines personnes qui sont retournées dans leur chambre ont retrouvé leur chambre très glaciale, de l'ordre de quelques degrés. Oui, mais pas l'eau de... Non, non, je n'ai jamais eu de ce type de témoignage. Bon, ça aurait été intéressant de le savoir. Je vais me renseigner en tout cas auprès de Cleveland. N'est-ce pas, Samuel ? Oui, en effet, c'est troublant. Ces températures abruptes. Mais ce serait intéressant de savoir si c'est un problème d'ordre. Comment dire ? Si c'est peut-être du matériel ou si c'est vraiment un événement qu'on pourrait qualifier d'étrange. Oui, de toute façon, on m'a informé justement que l'un des frères Meyer était en train de s'occuper justement de rectifier, de vérifier que tout va bien. Nibion plomberie. Le monsieur Carter, c'est celui avec le chapeau Oui, c'est celui avec le chapeau. Oui, tu en as déjà bien évidemment dans le cadre de ta spécialité entendu parler. Par contre, celui qui est à sa droite. Non, il ne te parle pas, tu ne le connais pas. C'est celui qui... sur lequel les scarabées sont montés. Exactement. Oui, il y a quelques scarabées. Tu sais pas trop dire si c'est des scarabées, des cafards, mais ils ont tenté en tout cas d'escalader ces chaussures en cuir. Je vois en regardant en dessous de la table que Carter a l'air assez nerveux, ou en tout cas tu vois ses jambes qui bougent, comme on peut le faire quand on est stressé, ou tu vois que ouais, sa jambe est en train de bouger, sa jambe droite.
Et du coup, quand un cafard passe presque en dessous, il manque de l'écraser, mais il se faufile et puis tu vois disparaître. Il a posé son chapeau sur la table, bien sûr. La discussion a l'air sérieuse. Vous voyez qu'il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de... Ça a l'air d'être une discussion très sérieuse. Lady Archer, tout va bien ou... Vous êtes à trois tables. C'est assez difficile d'entendre leur conversation, de ce qu'ils se disent. Non, mais j'attendrai qu'on me présente pour le saluer, parce que je ne vais pas interrompre une conversation qui semble si importante. Sinon, tu peux observer que sur la terrasse, vous pouvez avoir accès à la presse quotidienne. Hein, vous avez tous pu le remarquer. Oh, ça m'intéresserait. Il y a d'ailleurs un journal sur la table de Carter. C'est le journal local ? Oui, c'est la Gazette égyptienne. D'accord. Ouais, exactement. Si je peux en prendre un, ça m'intéresse. Oh oui, bien sûr. Hein, alors, je ne vais pas lire devant le directeur parce que ce serait mal poli, mais je pense que j'en prendrai un pour voir un peu ce qui se dit. Mm-hmm. De rien, c'est pas toujours intéressant s'il y a des rumeurs, s'il y a... Isabella, vous m'avez l'air de fixer quelque chose. Quelque chose ne va pas ? Pardon, excusez-moi, c'est la chaleur. Vous voyez avec les gants. Mais je vois que la citronnade arrive, ça va me faire du bien. Bien, est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre ? Certainement. Et est-ce que, par hasard, dans votre hôtel, on conserve les journaux ? J'aurais été intéressé par les journaux d'il y a, eh bien, écoutez, 2-3 semaines. Écoutez, il y a une bibliothèque ou une université, mais je vais regarder. Je vais regarder ce qu'on peut vous fournir. Merci beaucoup. Vous savez où se trouve mon bureau. Abraham Murray a dû vous l'indiquer. Il se trouve juste à côté du bureau des télégraphes et des postes. Vous pouvez d'ailleurs envoyer des appels téléphoniques. Et donc mon bureau est juste à côté. Bien, merci. Bon, merci et n'oubliez pas, venez costumer ce soir. Hein. Il y a justement, vous venez de ma part dans ces boutiques de mode masculine et féminine qui se trouvent juste à côté de la réception et vous arriverez à trouver un déguisement. C'est bien aimable, merci à vous. Bien sûr, en tout cas, je ne sais pas si vous avez des questions, vous autres, mais... Moi, je vois que vous appréciez les petites pâtisseries égyptiennes. En effet, elles sont délicieuses. Oui, on vous a apporté des sortes de cornes de gazelle, et aussi des petits gâteaux à base de miel et de fleurs d'oranger. Également à base de pâte de semoule. Eh ben, j'en fais disparaître quelques-uns. Mais sans tour de magie. Alors, dites-moi... Moi aussi, mais bien sûr, montrer comme ces messieurs, je vais pouvoir pas en manger autant. Quoi. Je sais pas si le directeur nous quitte ou pas. Écoutez, oui, il était en train de se lever, il est pas très loin en fait, il reste toujours sur la terrasse, il donne des directives justement aux différents serveurs, il y en a 7, et il s'acquiesce sans rétorquer et s'attelle à la tâche. Bah moi je vais ouvrir la conversation et je vais dire, dites-moi mais... Très cher, est-ce que vous avez des pistes qui vous semblent intéressantes à peut-être suivre dans un premier temps ?
D'accord. Je vois que vous avez l'air tous très inspirés. Bah, tu vois Isabella qui est fixée sur ses cafards. Elle se demande, mais quelle espèce ça pourrait être? D'ailleurs, est-ce que tu peux me faire un jet de biologie ou je sais pas, quel naturaliste Je vais voir ce que j'ai. Peter, que pensez-vous de tout ça? Pardon Samuel, j'avais la tête ailleurs, j'étais en train de réfléchir au tour que je pourrais bien préparer pour ce soir, voyez-vous. Oui, enfin, vous saurez sûrement amuser la galerie, mais la question, c'est plus de savoir, cet hôtel est grand, il y a beaucoup de monde. Et pour l'instant, les informations sont assez étranges, mais c'est vrai que ce serait intéressant de peut-être nous coordonner. J'ai quand même noté beaucoup de faits étranges, et ça ne fait que quelques heures que nous sommes arrivés. Oui, oui. Il se passe vraiment quelque chose de bizarre avec ma feuille, elle fait 3 cm de hauteur, je comprends pas bien ce qui s'est passé. Ok. Bon, je vais regarder ça. Donc, peut-être j'arrive à... Alors moi de mon côté c'est bon. Qu'est-ce que tu as en compétences qui pourrait aller? Bien, il faudrait que je puisse les lire, mais... T'as un naturalisme, par exemple. T'as 10%, je peux faire le jet à ta place. Sinon, tu peux refermer ta fiche et peut-être la ouvrir. Non, il fallait faire développer. J'avais dû appuyer sûrement sur compacter. Pardon pour cette interruption, du coup. Mais je t'en prie. Ah oui, c'est pas mal compacté, mais effectivement, c'est un petit peu petit. Naturalisme, je suis pas très forte. T'as fait combien? Non, j'ai dit je suis pas très forte. Ah oui. Donc j'essaye de voir si j'ai autre chose, mais est-ce qu'en archéologie, du fait d'avoir été plusieurs fois dans des régions chaudes comme celle-là, j'ai... Alors, en tout cas, t'as jamais vu ce type d'espèce? C'est ce que tu peux en conclure, étant donné qu'en effet tu n'es pas une spécialiste, mais ça te paraît être une espèce des plus insolites. Ah oui, mais je vais tenter quand même le coup. Ouais, j'arrive pas bien à voir si la 6 ou 8 pattes là d'ici. Tu te rapproches? Un scarabée à 8 pattes. J'ai dit Archer, qu'est-ce qui vous perturbe ainsi? Je vous sens dans la... Vous la voyez d'ailleurs, elle est en train de se lever, essayant de voir un peu à quoi cette espèce pourrait ressembler. Elle s'approche de plus en plus. Vous les voyez? Elle se lève. Vous, ça vous intéresse tout ça, non? La décomposition et tout, c'est des scarabées? Ouais, du coup, si elle me pointe quelque chose, en effet, j'observerai. Qu'est-ce que je vois, Pazo? Vous voyez également 4-5 cafards. Pour vous, c'est des cafards qui commencent à rester autour de cet individu au regard sombre qui commence un petit peu à les écarter. Isabella, toi, tu t'essayais de voir plus près, mais tu n'y arrivais pas, tu t'approchais. Et ne t'inquiète pas... Tu vois, tu entends l'homme, en tout cas un regard menaçant, qui dit à Carter, ne t'inquiète pas, tout est en sécurité. Il s'agit d'une découverte sans précédent. Oui. En effet, tu vois, j'avais absolument raison. Mon cristal a dit vrai. Il faudra que tu trouves une version officielle pour expliquer... comment tu as procédé pour trouver cela? Je sais pas. Invente une histoire de famille qui ont été enterrées dans cette vallée et tu... Oui, je... Tu as fait tes fouilles dans ces environs. Oui, oui. De toute façon, j'ai déjà trouvé par chance d'autres choses auparavant. Et donc, c'est exactement la chance qui nous a permis de trouver ce que nous avons trouvé. Il a suffi que voilà, un jeune félin pose une jarre d'eau sur une marche, et puis ils comprendront facilement que voilà, c'est la chance qui nous a permis de trouver. Tu vas devenir une célébrité.
Grâce à nous. Si c'est moi qui vais devenir une célébrité, ou si c'est Lord, mais en tout cas, les journaux en parlent déjà. Et vous voyez que je fais tourner le journal vers cet homme. Oh, bah du coup, je suis curieuse, j'essaye de voir ce qu'il y a écrit dessus. Tu fais demi-tour pour voir à la table directement, tu regardes, tu t'approches d'eux face à eux. J'essaie de loucher, tu vois, T'es à combien de mètres d'eux ? Eh bien, tu m'as dit que je m'étais assez rapproché pour les entendre. Oui, t'es encore à une table près, on pourrait dire. Une table vide, est-ce que tu es arrivé face à eux ou comment t'as procédé ? Ou est-ce que tu te montes frontalement face à eux, tu marches d'un pas régulier et... Non, je pense que je suis un petit peu derrière eux pour qu'ils m'aient pas remarqué jusque-là. Moi, au même moment, je pense que je vais interpeller Peter parce que je suis quand même assez surpris de la réaction d'Isabella. Je veux dire, Peter, est-ce que ces hommes vous disent quelque chose ? Je trouve Isabella très très étrange. Écoutez, tu peux me faire un jet d'éducation, Peter. Et toi aussi, Samuel, mais le deuxième, non, ne vous parle absolument pas. Hein. Peut-être que vous avez entendu parler de Carter. Hein. Non, je n'ai jamais vu ces hommes de ma vie. Vous savez, moi, je ne lis pas beaucoup la presse qui parle des gens célèbres. Je crois bien avoir déjà vu l'homme à la moustache, mais je sais plus où sa tête me dit quelque chose, peut-être, mais ça ne me revient pas, là, comme ça. Et ils ont tous les deux une moustache. Oui, mais c'est celui qui a la moustache la plus fournie. N'est-ce pas un ambassadeur ou quelque chose comme ça ? Peut-être. Enfin bon, il me semble. On demandera à Isabella, peut-être qu'elle saura nous en dire plus. Bien, en tout cas, Carter, pour l'instant, nous sommes les seuls à savoir. Oui, je n'en ai parlé à personne. Et quant aux Fela, qui t'ont aidé à sortir tous ces magnifiques artefacts, je me suis occupé d'eux. Allez, plus que deux jours, et ces pièces noires seront en sécurité le 22, de l'année 22 à 22h. Oui, bien sûr. Et je compte sur toi pour embarquer le comte. Oui, le comte ne peut pas être au courant. Le transfert doit s'effectuer après notre départ pour Luxor. Tu peux me faire un jet de discrétion, Isabella ? Oui. Quand je vois mon score, ça me fait rire. Ah, c'est cassé. Comment ça, c'est cassé ? Le dé avait l'air cassé. Il était entre 30 et 50. Alors, t'as fait 31. Mm-hmm. Carter, qu'on commence à... éternué, peut-être un virus qui l'a attrapé. Ouais. Du coup, je me mets un peu sur la pointe des pieds pour essayer de voir vraiment ce qu'il y a sur ce journal, parce que je suis vraiment très curieuse. Et au moment où tu regardes, tu vois que je te fustige du regard, je tourne la tête vers toi et tu vois un regard, mais presque mauvais, quoi. Et sans doute approché trop près de notre table, et je vois ça comme une intrusion presque. Et donc je pince les lèvres, et puis je te regarde en fronçant un sourcil. Je vais te faire le sourire de quelqu'un qui revoit une connaissance qu'elle n'a pas vue de complètement par hasard, en touriste, et qui remarque que tu n'as pas l'air très avenant, et du coup je mon sourire se fige, je hausse un sourcil et je fais demi-tour vers ma table en faisant un peu genre tu vois, un peu comme si j'avais prévu au départ de te saluer, mais que j'ai remarqué que c'était pas le moment, et donc je me détourne et voilà, l'air de dire on se saluera plus tard peut-être. Je suis un peu refroidie. Tu la connais, Carter ?
Non, ça ne me dit rien. J'ai pour habitude de travailler avec des hommes ou avec des gens compétents. Bien. Lady Arthur, pourquoi... Il nous faut absolument le journal d'aujourd'hui. Il est là, sur la table. Saisissez-vous-en. Je le prends et je regarde ce qu'il pouvait y avoir de si intéressant par rapport à la conversation de... Qui sont ces hommes qui vous ont autant... C'est Howard Carter. C'est bien ça, hein, son prénom. Oui. J'ai bien cru l'entendre quelque part, mais est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Un archéologue, comme moi. Ah. Mais peut-être... Vous le connaissez? Peut-être. Pas très bien, je suis pas sûre que nous ayons la même éthique. Ah. Regardez, là, des visiteurs distingués. Le 21 novembre 1922, selon des sources sûres, George Edward Stanhope Molineux Herbert, comte de Carnarvon, arrivera demain au Caire en provenance d'Alexandrie après un long voyage depuis la capitale de l'Empire. Howard Carter, voyez, c'est lui, qui travaille sur le chantier de fouilles financé de comte, souhaitait apparemment l'attendre pour commencer l'excavation de sa découverte, un geste admirable de la part du brillant archéologue. Il va de soi que la charmante fille du comte, Lady Evelyn Leonora Amina Herbert, participera à l'aventure. Mais c'est complètement fou parce que, visiblement, de ce que j'ai entendu, il n'a pas du tout attendu pour l'excavation de sa découverte. Il aurait déjà... Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez entendu concrètement? Que l'autre homme aurait... Alors, se serait occupé, si l'on peut dire, des félas qui auraient aidé à extraire les artefacts. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus c'est qui les félas? Non, cette discussion. Mais vous savez, ce sont les hommes qui vous aident, les locaux qui vous aident durant les fouilles. Excusez-moi, c'est la première fois que je viens en Égypte. Oui. Et cet homme ne me dit rien qui vaille. De toute façon, regardez sa vilaine bobine. Je ne sais pas dans quoi Carter s'est embarqué, mais... Que vous avez entendu son nom à ce homme? Il s'est pas bien entouré. Pardon? Est-ce que vous avez entendu son nom par hasard à cet homme? Non. Non, tu ne l'as pas entendu. Mais... Je crains le pire. Oui. Vous rendez compte? S'ils sont prêts à éliminer... Bon, peut-être que c'est moi qui imagine le pire, hein. Après tout... Et qu'est-ce qu'ils ont récupéré? Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Ils en ont parlé? Non, j'ai juste entendu le mot artefact. Et puis, comme quoi ça allait rendre... Tu vois quand même que tu vois que je hausse un sourcil quand même. Comme quoi ça allait rendre Carter célèbre? Est-ce que ça pourrait ne pas être la source des problèmes actuels de l'hôtel tout de même, des artefacts? Enfin, si c'est bien ce que je pense, antique... Vous pensez à une malédiction comme avec Toutankhamon? Eh bien, vous savez, l'Égypte. Alors, Toutankhamon n'a pas encore été découvert. Ah, mince. L'Égypte va pas trop vite. Avec le précédent tragique. En tout cas, je sais que la vallée des rois, je m'intéresse un petit peu à tout ce qui est. Phénomène étrange, mais c'est vrai que des rumeurs circulent sur le fait que les Égyptiens avaient, entre guillemets, des rituels qui leur étaient propres et qu'en effet, ils protégeaient quand même tout de même leur tombeau. Certains, peut-être, de ces objets, en effet, pourraient être la source de ce qui se produit à l'heure actuelle. Vous pensez à... Ce serait intéressant tout de même de savoir s'ils sont sur place ou s'ils les ont dissimulés ailleurs, mais... Si du moins ils les ont bien récupérés, comme vous le dites. Oui, mais je ne vous suis pas là. Vous pensez à des sortilèges antiques ou quelque chose de plus terre à terre? Je n'en sais rien. Enfin, je ne fais que. Ce n'est que des conjonctures de ma part, mais tout de même, vous semblez dire qu'ils étaient.
qu'ils avaient, de ce que dit l'article, pas attendu, alors que pourtant c'est ce que semble dire cet archéologue, c'est étonnant. Voilà, et si en effet ils ont récupéré certains objets, peut-être que certains de ces objets sont peut-être la source des problèmes actuels. Ça vaudrait le coup tout de même d'enquêter là-dessus. C'est une bonne piste en tout cas. Oui, vous avez raison. Maintenant, après, c'est peut-être en effet, ça n'a peut-être aucun lien, mais en tout cas, ce serait intéressant de savoir s'ils les ont avec eux ou pas. Ça m'étonnerait. S'il y a eu plusieurs félas pour les aider, c'est que ça ne doit pas être un objet qui tient dans la poche. Ouais, peut-être en effet. Bon, en tout cas. Faisons en sorte peut-être de savoir où est la chambre de ce monsieur Carter. Après, on peut avoir retourné beaucoup, beaucoup de terrain pour attraper un tout petit objet. C'est pas faux, mais du coup, vous pouvez attraper le petit objet discrètement. Certainement. Qu'en est-il de ces cafards ? Est-ce que c'est vraiment cet hôtel qui est insalubre ou... Et Peter se lève et il part en direction d'un serviteur, d'un majordome qui serait dans la salle. Oui, tu trouves un des serviteurs, un égyptien, habillé avec un chapeau typique. Bonjour. Bonjour, sir. J'ai besoin de renseignements. Les deux messieurs que vous voyez à la table là-bas, oui. J'ai le sentiment de les connaître. Savez-vous qui c'est ? Oui, c'est Sir Carter, Howard Carter. De qui est-il accompagné ? Je me demande si c'est pas fait de classe avec cet homme. Oh, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, oh, ça va me revenir. Je lui sors une petite, un petit billet. Vous êtes bien sûr un peu à l'écart hein, quand vous faites ceci. Il me semble que il est autrichien et c'est le directeur du musée égyptien, Monsieur Gart Weder. Monsieur Gart Weder, eh ben écoutez, merci beaucoup. Il vient souvent ici justement. Je sais que des fois il Oh, mince. C'est vrai que je voulais vous dire quelque chose, mais j'ai tellement de travail que... Je vais devoir vous laisser. Je lui reglisse un petit billet. Eh bien, en effet, il arrive que le cuisinier en chef qui gère toute la logistique, tout le stockage des denrées alimentaires ou même, on va dire, logistique, est à traiter avec cette personne. Et j'ai cru entendre dire que certaines caisses auraient été livrées en pleine nuit. Sous-sol de l'hôtel. Et savez-vous ce qu'il y avait dedans ? Absolument pas. Bah écoutez, en tout cas... Merci beaucoup pour ces renseignements. Je lui serre chaleureusement la main et je lui lance un grand sourire et puis je m'en vais. Vous avez besoin de quelque chose au fait ? Peut-être vous voulez que reprendre commande ? Oui, apportez-nous trois limonades citronnées à notre table là-bas. Tout de suite, sir. Merci beaucoup. Et je regagne ma place à la table. Bien. Bon, bah écoutez, peut-être qu'on peut commencer par cette piste-là. Ça pourrait être intéressant, en effet, que nous gardions un œil sur ces deux hommes. Vous avez à votre table deux hommes d'affaires, visiblement, qui sont égyptiens. Ils discutent ensemble. Eh bien, le Caire est vraiment devenu un aimant à crapules. Cette folie des pyramides attire tous les imbéciles avides d'argent du monde entier. Ils pensent qu'en creusant sur quelques mètres, ils trouveront un tombeau. Vous arrivez à le croire ?
Nous devrions mettre un peu d'ordre ici, comme en Italie. Ce type, Mussolini, a l'air de savoir ce qu'il fait. L'hôtel est plein de terroristes. Allez savoir qui parmi eux a l'intention de nous tuer et de nous jeter en pâture au chacal. Oula, il fait chaud. Je vais aller me rafraîchir le visage. Excusez-moi. Il est à peu près midi et puis vous voyez Carter se lever ainsi que Kurt Vader et qui vont en direction, qui rentre dans l'hôtel. À la réception. Je vais peut-être en suivre un. En regardant mes compagnons, je vais dire je vais suivre peut-être. Je vous laisse Carter, Isabella. Je vais prendre l'autre monsieur. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais. Garth Vader. J'ai pris mes renseignements tout à l'heure et il s'agirait d'un certain Garth Vader, directeur du musée égyptien, un autrichien. Qui à ce qu'on m'en dit, a des pratiques pour le moins étranges dans l'hôtel. Vous devriez peut-être venir avec moi dans ce cas. Et laisser mademoiselle toute seule ? Si elle suit Monsieur Carter, ça devrait. On se retrouve tout à l'heure. Lady Archer, voulez-vous que je vous laisse seule ou souhaitez-vous être accompagné ? Écoutez, faites comme vous le souhaitez, Peter. Vous ferez au mieux, j'en suis sûr. Bien. Eh bien, je vais accompagner Samuel dans ce cas. Oui, cet homme a l'air vraiment très agressif. Il me semble plus douteux, dangereux que ce Carter. C'est pour ça que je préfère m'en occuper moi-même. Et tu vois que je tapote ma veste en lin et tu peux voir une forme un peu bombée, probablement une arme de poing. Enfin, voyons, Samuel, on n'a pas besoin d'en arriver à ses extrémités. Pour l'instant, on veut juste se renseigner. Rassurément, mais je sais reconnaître un regard de meurtrier quand j'en vois un. Sont-ils morts quand vous les voyez ? Bon, vous savez, j'ai fait la guerre. Ça vaut toute l'expérience du monde. Certes. Je vous accompagne. Et en effet, bah du coup, je pense que je vais prendre en filature ce monsieur. Tu peux nous le noter sur le chat. Oui, je vous le noter tout de suite. Oui. Merci, s'il te plaît. C'est monsieur Vader. Voilà, donc j'ai noté que Samuel et Peter, vous suiviez Garth Vader. Oui. Et je vous le note tout de suite son nom. Je ne sais pas si Zalia va suivre Carter pour le coup, mais... Ah, c'est ça. Est-ce que je l'ai reconnue, cette jeune femme qui s'est présentée ? Parce qu'elle est archéologue quand même, donc peut-être que je sais qu'elle est... Je te laisse me... Ça dépend quelle est sa spécialité, on va dire. Si elle est égyptologue, il y a peut-être des chances. Ouais, bah je te laisse me dire, Isabella. Est-ce que tu es assez connue pour que je te reconnaisse ? Vu mes compétences en archéologie, je pense que j'ai déjà dû faire des séminaires en... Alors, c'est quoi mon pays d'origine ? C'est les États-Unis ou l'Angleterre ? Ça peut être l'Angleterre. À toi de me dire. Ta carte blanche. Oui, j'ai déjà dû donner plusieurs séminaires en Angleterre. Ok. Après, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je t'ai déjà vu dans une réunion, si l'on peut dire, d'archéologistes. Je suis en Égypte depuis un bout de temps maintenant. Donc, j'ai fait quelques petits voyages vers Londres, mais la plupart du temps, je suis en Égypte. Ah oui, alors. Depuis moi, 1800 et des bons. Oui, ça fait au moins depuis 15-20 ans qu'il a des subventions pour faire des fouilles, mais il n'y a jamais eu de très grandes découvertes. Donc moi, j'ai forcément entendu parler de toi, je connais ton visage, mais peut-être que toi, tu ne me connais pas, parce que j'ai dû faire des fouilles en Égypte aussi, mais pas dans la même région que toi. J'ai peut-être dû lire ce que tu as fait, mais peut-être pas, j'ai pas de visage qui se raccorderait au nom. Voilà. Oui. Donc Vader, toi tu... Non, pardon, Carter, toi tu te lèves avec Vader, vous partez en direction de l'hôtel.
Je lui fais juste un petit signe de tête, pas besoin d'en dire plus. Je vais remonter assez rapidement dans ma chambre. Je suis assez déterminé, donc tu vois que j'avance vite. Et donc, Isabella, toi, tu le suis. Je prends l'escalier pour monter à l'étage. Comment tu procèdes pour le suivre? Quelle distance? Est-ce que tu te caches derrière une colonne? En fait, je le suis à une distance, on va dire une trentaine de mètres, entre 20 et 30 mètres, quand même pas de façon à ce qu'il me... Enfin, ça dépend. Si c'est dans l'hôtel, je serai plus proche, bien entendu. Plutôt entre 5 et 10 mètres. Mais je fais ça de la façon la plus simple du monde, c'est-à-dire que je le suis en donnant l'impression que je vais moi-même à l'endroit où il va. Tu peux me faire un jet de trouver objet caché? Oui. Et puis, s'il se retourne vers moi, eh bien écoute, je me présenterai. Ma foi, on verra bien. Eh bien, vous allez pouvoir faire un jet en opposition après. Mais juste avant, je voudrais juste vérifier quelque chose avec toi. Alors, est-ce que c'est réussi? Il semblerait, oui. Eh bien, tu remarques qu'il est très dérangé par des mouches autour de lui. Tu le vois, il s'agite d'une manière un peu agacée de plus en plus. Je prends un mouchoir que je mets sur ma bouche aussi. Et puis, vous allez pouvoir comme faire si chacun un jet. Je le mets dans mon mouchoir et après, tu vois que je le remets maladroitement dans ma poche. Et je les vois, les mouches? Oui, tu les vois. Tu les vois. Tu vas pouvoir me faire un jet, justement, de... Alors, vous allez faire un jet en opposition, tous les deux. Alors, vous avez ça, donc tous les deux fait un échec de niveau 1. Donc, on va dire que ça s'annule. Tu le vois monter les escaliers directement. Tu restes, en effet, à une distance à pouvoir toujours l'avoir à l'œil. Et vous continuez à prendre les escaliers. Il va à la chambre. Je vais jusqu'au troisième étage. Donc, il y a des escaliers à monter. Donc c'est, on va dire, deux niveaux au-dessus. C'est 362. Pas pris l'ascenseur. 362, donc c'est au deuxième étage. Ouais, je vais mettre la carte en question. Parce que je sais pas si c'est normal, moi j'ai trois fois étage. J'ai étage 1, étage 2, étage 3, mais c'est trois fois le même. C'est tout à fait normal, ouais. Alors, je vais essayer de faire... de mettre l'étage en question. Bon. Ah oui, mais étage 1, c'est le rez-de-chaussée. Ah bah non, c'est vraiment le troisième étage, du coup. Du coup, ça devrait être chambre 400 quelque chose. Non, c'est 300. Non, non, c'est bien le deuxième étage. Normalement, je vous ai mis le deuxième étage, là. Ah ben, on est au troisième, là. Hop, ah mince, alors j'ai mal visé, excusez-moi. Voilà. Mais de toute façon, c'est la même configuration. Hein. Ouais. Il y a les numéros qui sont pas les bons, mais effectivement, c'est... Donc tu passes de quel côté d'ailleurs? Je vais pouvoir mettre vos tokens. On va mettre Isabella ici. C'est les mêmes numéros, mais tu dois rajouter un 3 devant du coup. Voilà, Carter, je sais pas si tu t'es déplacé, mais en tout cas vous pouvez déplacer vos tokens. Est-ce que tu te déplaces par ici ou de l'autre côté, peu importe. Je suis direct. Mais écoute, je pense que je me doute qu'il va dans sa chambre et que ce sera très simple de voir dans le registre quelle est sa chambre. Du coup, je... Donc là, tu t'arrêtes au niveau de l'escalier, tu... Je vais hésiter. Oui, je vais rester un peu pour... attendre 5 minutes, voir si je l'entends hurler ou quelque chose d'anormal comme ça. J'attends 5-10 minutes et tu restes devant l'ascenseur, comme si j'attendais l'ascenseur, tu vois. D'accord. Donc tu as un ascenseur ici, par exemple. Eh bien oui, c'est ce que je vais me mettre devant, du coup. Voilà, comme ça. Tu arrives à ce niveau-là, tu ne le vois plus en tout cas.
Tu ne vois pas où est-ce qu'il est parti? Je pense, du coup, probablement, je pense qu'il est dans une des chambres. Et puis, si au bout de 10 minutes, il n'y a toujours pas de hurlement ni rien, eh bien, écoute, je vais prendre cet ascenseur pour redescendre. Tu entends une porte ouverte à proximité, peut-être à 7-8 mètres. La porte est ouverte et en même temps, tu as entendu l'eau du robinet. Ah, eh ben écoute, je vais essayer de voir un peu discrètement, mais tu vois, genre, si je vois que la personne se retourne, je vais faire demi-tour pour faire genre, je fais les 100 pas devant l'ascenseur. Mmh. Mais sinon, ça m'intéresse de savoir qui c'est, oui. Oui, bah tu vois, c'est toujours Carter, en fait. Il s'était arrêté probablement au WC et il continue son chemin. Il y a une petite vieille dame assez excentrique qui sort de sa chambre et elle te salue. Bonjour madame. Bonjour madame. Je vous déconseille la cuisine de cet hôtel. Ah oui, vraiment ? Mon pauvre mari a mal au ventre, je ne sais pas ce qu'il a mangé. C'est absolument un scandale. Et qui est votre mari, madame ? C'est Sœur Hamill. Je me présente, Elisabeth Hamill. Elle doit avoir peut-être 80 ans passés. Elle a un petit sac à main avec elle. Elle le garde en tout cas avec elle, hein, de peur que tu lui voles son sac à main. Et vous savez, c'est peut-être l'eau ? Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, quand on était en train de dîner dans ce restaurant, d'ailleurs déjà, je me suis plaint auprès du maître d'hôtel, monsieur Roland, c'est un m'as-tu vu, et pourtant, voilà, j'adore l'agneau grillé, très épicé, les pâtisseries qui servent habituellement, et d'un seul coup, la porte de la cuisine s'est ouverte et on a perçu une épouvantable puanteur, comme si le diable avait bâillé, si vous voyez ce que je veux dire. Et les serveurs ont immédiatement refermé le battant, mais plusieurs clients ont quitté la salle indignés et il a fallu au moins une demi-heure pour que cette infection se dissipe. Ils ont dû ouvrir les fenêtres en grand pour rendre l'atmosphère à nouveau respirable. Et c'est complètement anormal tout ça. Bon. Je ne sais pas si j'ai l'impression entre nous que la cuisine elle est reliée d'une manière ou d'une autre aux égouts. En tout cas, je veux plus manger ici. Ah ben je vous comprends, bien sûr. Je vais chercher des médicaments pour mon mari. Eh bien, je vous souhaite. Enfin, je lui souhaite un bon rétablissement. Oui, t'entends en effet derrière la porte son mari, visiblement, qui est très indisposé. Probablement qu'il est en train de vomir, mais... Ne perdez pas plus de temps avec moi, allez vite lui chercher des médicaments. Oui, et à part en direction de l'ascenseur. Tu ne vois plus Carter. Oui, et je vais... Hop, j'imagine il a disparu depuis longtemps. Eh bien, tu ne le vois plus, en tout cas. Je ne sais pas où il est. Bah du coup, je vais attendre devant l'ascenseur ici, tiens. Ah, puis non, il y en a même là. Je vais attendre devant l'ascenseur, là, et... Voilà. Très bien. Tu attends combien de temps ? Bon, comme je disais avant, une dizaine de minutes. Non, il ne se passe rien, tu... par quelques touristes qu'il sort, des hommes d'affaires, une femme assez élégante, une aristocrate, jeune. Mais sinon, tu ne revois pas Carter dans ton champ de vision. Eh bien, écoute, je vais retourner vers nos chambres, voir si mes amis sont dans leur chambre et sinon je retournerai sur la terrasse voir s'ils se sont retrouvés là-bas. D'accord.
Tu redescends, mais tu ne les vois pas dans leur chambre. Et donc, vous autres, vous êtes en train de suivre Vader. Quelle est votre approche également? Vous gardez une certaine distance pour l'avoir à l'œil sans être découvert? Oui, et puis je pense que je vais faire mine de converser avec Peter comme si on suivait un peu la même direction. Donc vous voyez Vader qui quitte donc cette terrasse. Vous avez vu peu de temps avant Carter prendre l'escalier et Isabella suivre. Et il part en direction du restaurant. Bah écoute, on va prendre le même chemin que lui. En allant à la réception, Cleveland le jette un regard et Vader, en tout cas, ne salue personne. Alors, je vois la tête, elle est un peu penchée pour... Ouais, voilà. C'est parce que je me fais discret. La tête, oui, voilà. On va remettre ça en place. Voilà. Ouais, dans ces cas-là, il faut cocher, c'est avec le sourire, je crois. Oui, donc, vous le voyez, il passe par le restaurant, justement. Il prend un petit passage. Quelle heure est-il ? Il est midi 5, midi, tu regardes ta montre à peu près. C'est une bonne heure pour se diriger vers le restaurant également. Vous pouvez me faire un jet tous les deux. Est-ce que toi, tu restes bien derrière Samuel, Peter ? Moi, je prends en sorte de dire à Samuel qu'on reste côte à côte pour que ça soit moins, que ça fasse moins filature. Ouais, pour le moment, on discute sans se cacher, ostensiblement, comme si on se promenait dans les couloirs. Peut-être qu'on sera plus discret un peu plus tard dans la filature, mais pour l'instant, vraiment, on fait comme si on allait par là. J'espère qu'on aura l'occasion de goûter un petit peu la gastronomie locale. Je n'ai jamais encore mangé égyptien. Écoute, on m'a dit du bien des tagines, il faut absolument que j'essaye. J'ai absolument jamais essayé ça. On va voir un peu ce qu'ils ont au menu pour ce midi. Alors en effet, les touristes, les clients de l'hôtel commencent à s'installer dans ce magnifique restaurant. Vous avez le maître d'hôtel français qui est là, justement. Il y a 40 tables. Cette salle pourrait accueillir jusqu'à 160 personnes et une quinzaine de tables sont actuellement occupées et le maître d'hôtel français arrive vers vous. Bonjour messieurs, quel est votre nom? Avez-vous fait une réservation? Alors, il s'est pas adressé à Gareth, c'est ça? Je sais plus comment il s'appelle, pardon. Quand vous êtes arrivé, non, il est passé directement et il part dans cette direction, en fait. Vous êtes à l'entrée. Je pense que je vais le mettre au tête. Je crois que ce monsieur était avant nous. Oui, tout à fait, mais ne vous inquiétez pas. Il ne vient pas ici pour déjeuner. Bien, très bien. Est-ce que vous avez pris une réservation, messieurs ? Non. Eh bien non, justement. Nous pensions que, étant donné le nombre de tables disponibles, que vous auriez de quoi nous accueillir. Écoutez, normalement, le service bat son plein d'ici 30 minutes, voire 13 heures. Nous pourrons écoutez, repasser. Ce n'est pas grave, nous repasserons plus tard. Écoutez, je vais regarder. Pour quelle heure vous souhaiteriez venir déjeuner? 13h30, ça vous irait, Peter? Oui, oui. En attendant, nous pourrons prendre un verre au bar. Mais pour trois, dans ce cas. Pour trois personnes, très bien. Pour trois personnes, oui. Très bien, parfait. Bon, je regarde, pour 13h30, je peux vous avoir une table pour trois personnes.
Eh bien, merci à vous, c'est bien aimable. Et puis, moi, je jette un coup d'œil à la porte des cuisines, un peu comme un curieux qui voudrait voir ce qui est en train de se... ce qui est en train de mijoter. Tu vois, je renifle ostensiblement pour voir un petit peu, faire comme si je m'intéressais aux odeurs, mais en vrai, je jette un coup d'œil, voir si j'aperçois pas notre garce. Et oui, donc quand tu peux observer un petit peu... alors, tu peux me faire un jet de discrétion, tu as combien? Alors, je vais te dire ça. Tac. Écoute, je m'appelle Peter Shadow Renault. Ça devrait pouvoir être raisonnablement haut. Discrétion, j'ai 75. Donc je te fais un G. Tac. Et c'est donc un 87 pour 75. C'est donc est-ce que tu veux utiliser des points de chance? Ça vaut peut-être le coup. Écoute, il me faut 12 points de chance. Allez. Et là, je te laisse les retirer si tu veux, si tu souhaites les utiliser. Allons-y. Me laisse 43 points de chance. Tu vois justement des serveurs qui sortent de la cuisine, qui commencent à porter les plats. La porte reste momentanément ouverte. Elle fait des va-et-vient justement. Et tu arrives à voir qu'il y a Vader qui parle avec un cuisinier, probablement le chef, qui a l'air de donner différents ordres. Il est en train de travailler sur une table en bois noircie. Il découpe une douzaine d'agneaux, séparant les pattes des côtes. Et il lâche son énorme couteau. D'accord. Il recrache le mégot de sa cigarette, qui lui pend en lèvres. Et il ouvre une porte à Vader, et ils y rentrent tous les deux. Et tu l'as vu, il s'est essuyé en même temps les mains sur son tablier. La porte se referme et il y a d'autres employés qui passent. Vous souhaitez quelque chose, monsieur? Alors, juste le plaisir des odeurs, voyez-vous. Qu'est-ce que vous nous conseillez de bon pour ce midi? Nous avons justement de confits d'agneau avec des différents fruits... de notre magnifique pays, et nous avons également des tourneaux d'eau Rossini avec de la viande spécialement importée de France. Notre chef fait également de la cuisine, de la très grande cuisine française. Mais c'est merveilleux. Et le chef, est-ce qu'il y a moyen de parler avec lui? Pour l'instant, là, vous avez vu, il est certainement parti du côté de la réserve, mais là, il est en plein service. Donc, si vous voulez discuter avec lui, ce sera après. J'ai pas de temps à perdre, monsieur. Moi, faut que oui, pardon. Excusez-moi. Pardon. Hein. Excusez-moi. J'ai des clients à servir. Et puis, du coup, je retourne auprès de mon compagnon. Tu vois le maître d'hôtel Roland qui revient vers toi. Vous avez besoin d'un service, monsieur? Vous souhaitez... quelque chose, rassurez-vous, votre table est réservée pour 13h30. Oh, je ne faisais qu'attraper quelques odeurs pour me mettre en appétit pour tout à l'heure. Très bien, très bien. Mais si vous voulez, vous pouvez consulter notre carte. Nous proposons des asperges vertes. Comme vous avez vu, le plat du jour est une déclinaison de spécialités arabes, de la tagine d'agneau, mais revisitée façon... Auvergnat. Eh ben merveilleux, gardez-moi-en pour tout à l'heure. Nous avons aussi importé des huîtres spécialement. Ça fait loin pour les huîtres. Vous savez, nous avons de quoi les stocker dans la glace. Je ne m'y risquerai tout de même pas. Mais je vais essayer votre tagine. Très bien. Et du coup, il repart accueillir d'autres clients qui arrivent dans la salle du restaurant. Que faites-vous? Eh bien, Peter, si nous partions rejoindre Isabella. Absolument, absolument, Samuel. Et tout en murmurant, je te dirais, est-ce que vous avez pu voir où se rendait notre ami? Dans la réserve, visiblement...
avec le chef cuisinier. Je ne sais pas ce qu'ils traficotent tous les deux, mais en tout cas, il ne l'a pas rembarré comme moi je me suis fait rembarrer. Ça vaudra peut-être le coup de s'y rendre dans un moment où il y a moins de monde. Ce pourrait être intéressant, effectivement. Il y a peut-être des choses à y trouver, et à défaut, il serait potentiellement intéressant de discuter avec ce chef cuisinier. Tout à fait. Bon, rejoignons donc Isabella, nous verrons si elle a trouvé quelque chose de son côté. Il est 12h30, hein, vous retrouvez Isabella à la réception. Tout à fait. Qui s'apprêtait à partir en direction de la terrasse, vous la voyez de dos. Je viens de consulter le registre, du coup. Oui, tu as pu voir Cleveland. Monsieur Belair, justement, m'a informé que je devais vous remettre le registre. Venez derrière. Il te laisse la place, justement, dans un petit bureau juste derrière où tu peux consulter. Et tu vois la chambre de, notamment de Carter, hein, qui t'intéressait, qui est le 362, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et je regarde aussi si Vader a une chambre, pour le plus grand des hasards. Il a également une chambre, Vader. C'est la chambre 407. Merci. Mais je vous en prie. C'est nous qui vous remercions. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Je lui fais un sourire sincère et je lui dis bien sûr merci Cleveland. À plus tard. À votre disposition, madame. Et du coup, je repars. Et c'est peut-être là que nos deux amis se voient, Dodo. Exactement. Lady Arthur. Tiens, Samuel. Et Peter. Hein. Je souris parce que je suis contente de vous voir que tout va bien. Nous avons pris une table pour 13h30. Oui, en attendant, tout à fait parfait, bien sûr. Enfin, ils ont des huîtres. Il paraît que la cuisine n'est pas forcément très bonne, mais je peux vous dire que Howard Carter est allé dans sa chambre. Je ne savais pas laquelle c'était. Je le sais maintenant, c'est la 362. On pourrait aller voir pour écouter à sa porte. Certainement. Mais est-ce que par hasard vous avez aussi la chambre de ce monsieur Vader? Tout à fait. La 407. Je pense que ce serait peut-être plus judicieux de nous rendre dans la sienne, étant donné que nous savons qu'il n'y est pas. Mais alors, allons-y immédiatement. Ah. Il est occupé. Exactement. Dépêchons-nous. Est-ce que là, on est dans le hall d'entrée, c'est ça? Oui, vous êtes à l'accueil. Hein. Sauf si... Le réceptionniste. Mm-hmm. C'est ça? Oui. Cleveland, ouais. Clinton. Il vous écoute d'une petite oreille, d'ailleurs. Vous êtes à proximité. Et il continue, des fois au téléphone, des fois assistant les bagagistes. Mais il est à votre disposition. D'accord, on va pas parler trop fort du coup, quand même. et du coup, est-ce que derrière ce réceptionniste, il y a un double des clés? Ce qu'on utilise, c'est des passe-partout, quoi. Pas des passe-partout, mais des clés qui sont adaptées à n'importe quelle chambre. Ça veut dire que n'importe quel groom, on a un sur lui de passe-partout? Oui. Eh bien, écoute, je vais essayer. Oui, tu vois, ils ont tous des clés avec eux. Tu as pu observer, justement, certains, quand tu patientais devant la chambre de Lupin, tu as vu qu'ils ouvraient toujours, non pas avec un gros trousseau de clés, mais juste une clé, on va dire, qui peut ouvrir n'importe quelle chambre, passe-partout. Eh bien, écoute, je vais sur le chemin, parce que j'imagine qu'on va, du coup, partir en direction de la chambre en question, la 407. Et je vais aviser un groom et je vais demander aux autres de continuer et je les rejoins. Mm-hmm. Et puis bah, je vais juste discuter vraiment quelques secondes avec lui histoire
d'être sympathique et lui proposer de faire un petit tour de magie pour m'entraîner pour ce soir. Parce que je lui explique que j'ai un spectacle ce soir et j'ai un petit peu peur d'avoir la main rouillée. Et ce qui peut bien m'aider à m'entraîner un petit peu pour mon tour de magie, quoi. Et donc, je vais lui faire un petit tour de magie où j'essaye de lui faire, s'il a une montre, peut-être lui chipper la montre sur, qui est certainement attachée à sa poche de côté. Hein, on parle de vieille montre goussée, j'imagine. Peut-être lui faire un tour de magie de ce genre-là. Deux, trois petits tours de passe-passe et en même temps, essayer d'aviser cette clé et de la subtiliser. Tu essayes d'en intercepter un où exactement, à l'accueil, à la réception ou... Non, pas forcément là où il y a le plus de monde, hein, parce que moi, j'ai pas intérêt à ce que tout le monde voit trop mes manipulations. Mais disons dans les couloirs, quand on se rend dans les étages, si j'en aperçois un, voilà. Oui, on va donc partir au quatrième étage, et tu en aperçois bien évidemment un qui, accueille les clients dans les ascenseurs. Et il vient juste de déposer les bagages dans l'une des chambres du dernier étage, pas très loin de celle de Vedder. Et tu vois, c'est l'un des frères, justement, l'un des frères suisses qui vous ont installé vos bagages. Dites-moi, l'ami, vous vous souvenez de moi, vous m'avez installé un peu plus tôt dans la journée. Oui, je me souviens très bien. J'aimerais que vous me rendiez un service. Je dois faire ce soir un spectacle de magie pour l'anniversaire du directeur. Et voyez-vous, ça fait un petit moment que je n'ai pas pratiqué. Et vous me seriez d'un secours inestimable si vous me permettiez de pratiquer un petit peu sur vous. Écoutez, j'ai pas trop le temps. Ça dure pas longtemps, votre tour de magie, j'espère. 2 minutes maximum, c'est vraiment le temps que je me dérouille un petit peu les doigts. Et puis voilà, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'être au cœur d'un tour de magie. Saisissez votre chance. Ouais. Bon. Et puis comme on dit, le client est roi. Eh bien oui, je suis prêt. Dites-moi ce que je dois faire. Alors voilà, je vais essayer, gardez l'œil dessus, hein, je vais essayer de vous subtiliser votre montre à gousset. Pensez-vous que je vais pouvoir le faire? Et donc il attend comme ça, béat, les yeux grands. Comment il va faire? Ah, c'est impossible, ça. Et du coup, je le laisse regarder sa montre à gousset. Je le laisse garder le regard dessus. Et pendant ce temps-là, je commence à le tapoter un petit peu partout, à le tripoter, etc. Et puis, en fait, je lui fais les poches. Ouais. Et bien, donc, tu pourras me faire un magnifique jet. Normalement, tu dois avoir un jet lié à ton... Pickpocket ? Ouais, peut-être, ouais. Eh ben, écoute, c'est loupé. Qu'est-ce que vous mettez, là, la main dans ma poche, là ? Il marche pas, votre tour de magie. Et... écoute, je vais quand même mettre mon point de chance, parce que je trouve que c'est utile et important. Ouais. Et du coup, il me faut 14 points de chance, quand même. Ouais. Ok. Paf. Et voilà. Et en fait, il a pas vu que tu lui avais subtilisé sa clé. Mais c'est en fait, tu as effleuré en effet sa jambe et puis et quand t'as récupéré la clé et du coup, c'est là où il a senti quelque chose et la montre est toujours là. C'est quoi votre tour de magie? Il est pas bon. Ah, mais je suis désolé, je suis vraiment rouillé, il faut vraiment que je pratique, mais vous n'avez pas le temps, c'est ça? Sinon, on pratique une heure ou deux ensemble, et puis ça sera bon pour ce soir. Bah écoutez, moi je suis... Oh là là, j'ai peut-être vers... Oh non, et puis je suis fatigué. Non, moi, je suis vraiment désolé, mais j'ai vraiment trop de travail. Non, mais si vous voulez, demain, je suis de congé demain. Oui, mais c'est ce soir que je fais le spectacle. C'est pas grave, je vais trouver un de vos collègues. Merci beaucoup de m'avoir donné une petite chance. À votre service, monsieur. Bonne journée. Et donc, vous... Et je rejoins les autres au petit trot. Bien évidemment. Et puis, je vais regarder un peu l'heure qu'il est. Ouais, on va arrêter là, je pense. On prendra la prochaine fois directement
dans la chambre de Vader. Oh, oh. Du coup, t'es arrivé à avoir le pass ou pas? Bah oui. Oui. Et j'arrive et je te tends la clé, parce que j'imagine que vous étiez un petit peu devant la porte embêté. Ah, quelle bonne idée d'avoir été voir le réceptionniste pour lui demander la clé. Bonne initiative, Peter. N'est-ce pas? Et donc, il est midi à peu près 35.